Salut tout le monde, salut papy, j'espère que ça va bien. Non, le chat, tu rentres pas aujourd'hui, on va essayer de faire des choses un peu dangereuses. Donc, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon week-end. Je suis désolé, hier, j'ai pas pu live, j'étais un peu pris par le temps. Mais bah voilà, aujourd'hui, ça va. On va se faire un petit après-midi de mode. On va modder une GameCube. On va modifier cette petite console là qui est là et on va se jeter un petit mode pour pouvoir y jeter une carte SD. Comment ça va, papy? Je la nettoierai un peu plus tard. J'ai fait un peu de bricolage cette semaine, j'avais un peu plus de temps, mais bon voilà. Il est petit, enfin, j'en ai un peu. Je suis pas encore bien à l'aise avec cette nouvelle caméra, mais voilà, ça va quoi. Donc, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Ça a été une semaine un peu éprouvante pour moi. Je suis peu occupé, notamment je suis en train de bosser mon texte pour demain. Pas la pression. Il y a longtemps que j'ai pas tourné, j'ai pas mal de dialogues. Bah c'est under pressure, je dirais. Mais bon, ça roule. On va mettre les lunettes. Ça. Et puis on va gentiment se lancer. Non, le chat, tu rentres pas. On va gentiment se lancer sur ce bricolage du dimanche. Je me suis un peu chauffé là, comme je disais. En début de semaine, j'ai changé l'écran de ma WonderSwan pour y mettre un petit écran rétroéclairé, ce qui m'a permis de me dérouiller un peu sur la soudure. Et j'ai changé le stick de ma Wavebird pour la préparer. Le stick était tout grignoté, donc je l'ai démonté, nettoyé et changé. Les lunettes. Et ça a été pas de tout repos, notamment avec le chat qui avait eu moteur compagnie pendant la soudure et qui voulait manger l'étain. Pas bon l'étain pour les chats. Okay, ça là, on va préparer le setup de bricolage. Ça là, le sous-car, je le mettrai à chauffer après. Hop là. Il faudra également que je me fasse chauffer la GameCube pour lui retirer le condensateur thermique, ce qui est conseillé, ça permet de faire ramollir le truc et de l'envoler sans éventuellement éviter d'arracher les petits condensateurs thermiques. Le petit truc adhésif là. Donc on va bah écoutez, je pense que vous pensez, on va se lancer là, on va basculer sur la scène vue du dessus. Voilà, donc on a le setup de bricolage. On va se mettre comme ça. Puis on va gentiment commencer à bricoler et à démonter madame qui est juste là. Je vais m'aider de la vidéo de Macho Nacho Production qui va me permettre de voir un peu les étapes à suivre devant moi. On va se faire un peu plus de place là. Il va nous guider dans les différentes étapes de ce mode. Alors j'ai un peu la pression, c'est quand même un des plus gros modes que j'ai jamais fait. Je suis pas non plus Jean-Michel Bricoleur, donc un petit peu la pression mine de rien. J'ai quand même regardé pas mal la vidéo et bon, ça devrait le faire. Cœur vaillant, rien d'impossible. On va sortir l'étain et puis on va commencer le bricolage. Le tournevis. Et l'embout. Alors c'est un embout comme pour la Super NES là. Et si je m'abuse, celui-là, vous le trouvez. Maintenant vous le trouvez dans les packs de tournevis, mais je l'avais acheté à l'époque sur eBay. Voilà, c'est ça. Coûte 2-3 balles. Enfin, je le ferai plus tard, mais il va falloir mettre un petit coup de nettoyage quand même à la GameCube. Alors, je suis déjà en dévissage. Voilà. Donc sur le modèle, on est sur une DOL 001. Le mode existe aussi pour les DOL 101. La particularité de la DOL 001, c'est qu'elle a
deux sorties vidéo à l'arrière, notamment une sortie numérique avec un petit. Là, il y a un petit adaptateur qui est sorti qui permet d'avoir une super image sur du HDMI. Et bien sûr, d'avoir cette petite, ce petit port là qui te permet de mettre les, la carte SD après. Et attention, si vous voulez en acheter une, faites bien gaffe à vérifier que le port là y est, parce que j'ai, alors là je ne l'ai plus, mais j'avais une DOL 001 qui avait la sortie numérique à l'arrière, mais qui n'avait pas ce port là. Donc faites bien attention à l'avoir. Alors, c'est... Ok, allez. On va ouvrir gentiment la console. Salut Terry! Comment ça va? T'arrives au bon moment, je commence tout juste le démontage. Pour installer la GameCube. C'est grosse... grosse pression. Grosse pression. Là, ça devrait le faire, hein, je devrais m'en sortir. Sold out pour le FIJ, oh, mais triste. Donc, FIJ, c'est le festival international du jeu vidéo. Un petit coup là. Elle a quelques nions quand même. Bon, c'est pas très grave, mais. Dans l'ensemble, elle reste plutôt propre. C'est une console que j'ai pris d'occasion sur Yahoo Auction. Elle est bon, elle est pas nickel nickel, hein, vous pouvez voir, elle a un pet sur ce côté là non plus, c'est pas non plus dramatique. Faudrait que je lui mette un petit coup de propre au niveau de la coque. Il reste une vis là. Après, attends ton combat pour le FIJ. Tu dois avoir un combat, non, cette année ou pas? Ok, c'est des vis. J'ai le chat qui essaye de rentrer aujourd'hui. Not today, le chat. Alors, on enlève la coque. Donc, je parle du couvert. C'était. C'est une private joke. Ouh là, il y a de la poussière. Ouh, il y a de la poussière. Il y a un peu de corrosion aussi. J'ai une petite brosse à dents qui permet de nettoyer vite fait. Le truc. Coucou. Comment ça va? Allez, on va faire. Allez, elle tout craquera à l'intérieur. Je vais mettre un petit coup de. Bon, ça va, je pense que ça va après. Non, le chat, il y a pas du chat qui passe sous la porte. Alors, donc, alors, on va y enlever cette partie là. Alors, je vérifie quand même le mode d'emploi. J'ai le mode d'emploi en face. Je vais pas ça les yeux bandés non plus. Alors, tac. Il faut qu'on enlève ça. Tu veux tout craquer aussi. Alors, il y a une petite patte. Non, ça, ça se déclipse comme ça, normalement. Voilà, ok. Ok, et là, il y a une petite nappe enlevée. Ok. Le port manette. T'as pas de bandeau, c'est des lunettes. Non, c'est des lunettes, ouais. Hop là, on va poser ça là. On a le port manette qui est viré. Il nous reste le port carte mémoire. Et regardez, hier c'était mon anniversaire. Ma femme m'a fait le plus beau cadeau pour penser à mon vieux dos. On a fait un beau coussin.
Pas beau ce coussin? Regardez ça. Hop là. Ce coussin est trop cool. Meilleur cadeau du monde. Alors, il y a encore un peu de poussière là. Oh, c'est pas froid. Je vais redémontrer un peu plus tard, une fois que ça marchera, je vais redémontrer un peu plus tard pour lui mettre un petit coup de jeune sur le truc, parce qu'il y a un peu de rouille sur le bouclier. Il est très gâté pour mon énergie, je suis content. Alors, donc on a enlevé le port manette. On enlève là, il y a des vis, on passe en cruci. Donc on enlève les vis là et là au niveau de la ventilation. On va sortir l'embout cruciforme. On va le faire ça. Par contre, j'ai cet embout là qui est trop petit, il faut changer de tournevis. Salem, non. Il est trop petit ce tournevis là. On va prendre celui-là. Ouais, c'est beaucoup mieux. Much better. Alors. Si la vis ça reste pas avec les doigts. Non, j'ai mis en play, pardon. On va défaire tout ça. C'est ma puce. Donc la garde, faut éviter que le chat vienne m'importuner. Qui devrait m'aider à retirer la vis là. Ma trousse est là. Ah Nicolas. Pas de l'air. Eh bien, ça me sort un peu de mon texte là. Depuis tard, je suis en train de réviser mon texte pour demain. Je suis en tournage et j'ai un peu under la pression. Je suis en train de monter un peu. Ouais, je suis un peu en train de monter en pression dessus. Donc, alors, on regarde la vite fait la vidéo. Il enlève le port. Ok. Je pense qu'il enlève ces deux vis là. Ouais, celle-là. Okay, il y a la nappe enlevée là et la ventilation. Ok, la petite nappe enlevée là et ça vient tout seul. Attends, on va remettre un petit coup de brosse à dents. Comment ça va, vous les copains? On comptait de beau par terrible. Je suis désolé pour le fige. Ben ça grossit mine de rien, le lieu ne grossit pas. Il devrait peut-être sortir un peu du sous-sol du palais festival. Ok. Je me rachète une souplette, j'en ai plus. Alors, donc il enlève l'arrière comme cela. Alors par contre, je suis content d'avoir trouvé ce modèle au Japon de GameCube qui est quand même très cool et pas si courant que ça. Alors,
Tac. Là, j'enlève les quatre vis qui se trouvent ici. Complètement. Je vais enfin pouvoir me refaire du F0. Je suis content de ce petit tapis là que j'ai acheté. En plus, ça part du silicone, donc ça craint pas la soudure et ça permet d'avoir ces petits emplacements pour garder les vis. Vraiment pas cher. Oula, dur celle-là. On va essayer de monter en compétence sur le mode de console, quoi. D'ailleurs, j'ai déjà dit à Terry, je fais la recherche des packs de ROM de Smoke Monster que j'arrive pas à trouver. Si jamais quelqu'un les a, qui veut bien me les faire passer. Parce qu'ils sont juste introuvables en ce moment. Le collectionneur vous dirait, les gars, c'est de la poussière du Japon, les gars. Possiblement radioactive, hein, du coup. Oui, dur. Oui, dur, ça. Ok. Ah, génial! Tu les as trouvés sur un site ou sur ton PC? T'as un lien sur Reddit? Ah, écoute, si tu me fais passer, je le mets à Dell de suite. Ok, il en reste ces trois là. Je m'en occupe en suivant et je laisse tourner. Yes, merci beaucoup. Attends, je vais lancer Discord, il est là. Les mêmes bis. Les mêmes bis, ok. Alors, Terry. Ah, mais ils ont changé de nom du coup. Mister Pack, ok. Ok. Bah écoute, génial, merci beaucoup. Mettre ça en téléchargement suivant, ça va d'elle toute la nuit. Merde, mal ça. Oula. Petit ralentissement, on va fermer ça. On va sauvegarder un peu la. De connexion. Ça lagouille. Ça lagouille. Est-ce que ça lagouille? Est-ce que ça chatouille? Pas très grave. A few moments later. Combien? Oui, il y a tout qui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout se lance? J'appuie sur un bouton là qui se. Ah, c'est toi.
Ah, c'est mieux. Je sais pas, il y a un truc qui a déconné. Le navigateur a décidé de... De déconner. Alors, on vérifie. Tu te tais. Voilà. Alors, on continue. Ouais, il reste une piste là. Allez, c'est parti. Bon, j'ai un petit coup de gueule à passer quand même. Je ferai plus de stream sponsorisé avec Stream Element parce qu'ils sont malhonnêtes. Voilà, pour être transparent avec vous, donc ils te demandent, donc on avait fait le truc avec les liens, vous avez joué au jeu, vous êtes content de vous, vous avez joué le jeu. Le jeu était nul, on se le dit, hein, le Red Shadow Legends, c'est du caca. Ils ont résisté tous mes trucs en disant, bah t'as une semaine pour faire les résultats, et puis ils ont tout refoutu à zéro. Et au final, bah, une semaine, bah, t'as pas rempli les objectifs, donc on te paye pas. Donc je fais un message sur le chat en aide. Je leur dis, je suis désolé, il y a un problème. Il n'y a pas de souci, envoyez-nous les replays. Parce que j'envoie le replay, donc on voit bien que les niveaux augmentent. Parce que tu avais le petit template là qui te montrait les niveaux, le nombre de personnes. Et là, tu fais, ah oui, alors maintenant, il faudrait que vous demandiez aux personnes qui n'ont pas été compatibilisées de nous envoyer un screenshot de leur application avec leur niveau. Mais les gars, j'ai dit, mais les personnes, ils ont déjà eu la gentillesse de jouer au jeu, de passer du temps. Je vais pas les courir après toutes les personnes qui ont passé le niveau en disant, hey, tu peux m'envoyer un screen et tout. Mais attendez, j'ai poussé le bouchon. Ah, ben on est désolé que vous sentiez comme ça, mais c'est la politique, donc on vous paye pas. Vous savez quoi? Me payez pas, et puis voilà. Bon, vous êtes de la merde. Alors, on a le vis. Donc voilà, c'est des gens pas bien. On va aller de ce côté aussi. C'est vraiment malhonnête. Et puis en plus, ils te le disent pas de suite, hein. Ils te disent au fur et à mesure, t'es la prochaine fois. Est-ce que vous pouvez aller chez les gens qui ont. Est-ce que vous pouvez aller chez les gens qui ont participé et puis faire une photo avec un journal de la date du jour? Enfin, ça va, les gens, ils ont pas que ça à foutre non plus. D'accord. Bon, j'achète un derrière là parce que ça m'aidera bien avec la poussière. J'en avais acheté un à l'époque là qui se recharge sur Amazon, mais j'étais vraiment pas satisfait du truc. Déjà, ça faisait un boucan d'enfer et je trouve que ça soufflait pas tant que ça. Le prix en plus, ça coûte cher, ça coûte genre une cinquantaine de balles. Je l'ai envoyé. Toutes les vis. Là, il faut enlever aussi celle-là. Puis, on va mettre ça de côté. Ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. J'ai eu Hogwarts Legacy pour mon anniversaire. Content. Ça. Regardez. Budin. Moi, c'est mon son de vis. Alors, je vous l'avouerai que c'est vraiment
Un gros saut de la foi, hein, de faire ça en live, ça me fout la pression. Hop. J'espère que je vais pas flinguer une GameCube en live. J'en ai une deuxième au pire, hein, mais... un loot 2. Ok. Deux. Trois. Hop là. Voilà. Vis. Ok, le bloc optique est sorti. On va poser ça proprement, sur ça. Je sens que ça va tomber. Sérieux, sur la sienne, ça a l'air d'être, d'être d'un seul bloc. Ok, le bloc optique est retiré. Donc là, on est sur la carte mère. Alors, est-ce que direct il enlève la carte mère? Ouais, direct. Alors, bon, nous, on va enlever les vis. On va d'abord enlever les vis et on va la brancher. La brancher histoire de faire chauffer ça et de ramollir les trucs. Merde. J'ai tout arraché. Okay. Ça va être petit. Je vais peut-être mettre la pâte plus fine pour la soudure. C'est là qu'il faut brancher le truc. Stéphane, hein, l'autre soir j'ai eu un... Désolé papy. Je me suis rendu compte donc j'avais la vidéo qui ramait. En fait j'ai eu un problème d'incompatibilité matérielle entre ma carte d'acquisition et ma webcam. C'est assez magique. Alors, le transfo de la GameCube, il est là. Ce que je voulais voir... c'est que du coup, comment ça s'allume?
ça. Ah, le bouton d'alimentation, il est là. Faut que je rebranche. Ok, faut que je rebranche. Ouais, mais il faut que je le regarde déjà la résolution tout ça, mais je pense que ça va être un peu compliqué sur celui-là. J'ai ça. On va lui remettre la ventilation. Ventilation normalement elle va là. Tac tac. D'accord. Hein. Ok. Alors. En fait, la prise d'alimentation, elle est là. Alors, on va faire chauffer un peu. Au moins, je chauffe assez vite. Les autres utilisent un décapeur thermique. Bon, je vais pas. Pas forcément. Bah, j'en ai pas. Faire chauffer ça gentiment. Mais il faut que je l'ouvre. Là, je l'ai regardé juste sur le téléphone. Je l'ouvrirai pour voir ce que ça donne. J'ai aussi du flux. Ça va permettre de faciliter la figure. Oh, mais je vais regarder quand même. Hein. Mais il y a beaucoup de textures, beaucoup de petits trucs. Ouais, en 10 minutes, ça vaut la peine. C'est un truc que t'as piqué ou c'est un truc que t'as payé du coup? Ne réponds pas tout de suite. Ok. Google Image. Ça chauffe gentiment. Salut Sano, comment ça va? Comment ça se passe le Magic? C'est cool ça. Merci Sano. Regarde. Regarde ce beau cadeau, ce meilleur cadeau du monde. Salut. Un bonjour. Nicolas Cage toujours avec moi maintenant pour les streams. Ouais, c'est bien. Ça commence à chauffer là. D'ailleurs, vous allez encore bouffer du Lego. J'ai eu encore un Lego pour mon anniversaire, donc. Je ferai la paix quand je jouerai au Hogwarts Legacy, mais. Félicitations. Ah, j'ai oublié d'enlever sur deux sons. Félicitations, papy! Là, c'est qu'on va être chaud là. Bien. Alors, là. Ça, débrancher. Alors, essayez de. Ça bouge pas beaucoup, hein. Ah, quand même. Pas bien. On va y aller délicatement. Un peu limité. Hop là. Ah, bon. Il devrait suffire, ça ne va pas poser de problème.
on va remplacer le gros. Les autres, ils sont bien. Ah ouais? C'est de raclette. Ok, on va partir à la poubelle. Merde. Allez, on va faire ça. On racle. Je crois que je vais peut-être tous les remplacer. J'y suis. Rien que ce soit passé. Qu'est-ce que t'as eu comme truc? Bon, j'ai de quoi les remplacer. J'avais acheté au cas où des petits trucs. Mais bon, ils se laissent en train de me rester dans les doigts. Un petit chewing-gum. Vite, hein. Alors, sortir les cotons-tiges. Hop. Toujours avoir l'alcool. Radiateur. C'est bien, ils ont laissé des traces pour te montrer où coller les trucs. Bon, je pense que c'est fait exprès, hein. Certainement fait exprès, mais... mettre un deuxième coton-tige. Hop là. Hop. J'ai... Nicolas, calé. J'avais ces paillettes qui me grattaient les fesses. Ok, je regarderai ça. Alors si tu veux qu'on s'appelle, on s'appellera pas ce week-end, ça nous, je suis en tournage toute la journée demain. Mais on s'appelle en cas le week-end prochain. Là après je vais partir une petite semaine à Chicago. Pour la Saint-Patrick, je suis assez content. Donc ça c'est bon. Je peux le laisser comme ça. Peut-être l'enlever, ça va me gêner. Là. Ah. Ouais, je suis assez content. On va se faire une petite semaine. On a des amis qui habitent là-bas. On va les loger chez eux pendant quelques jours. Et visiter la ville. Bon. Allez, jusque-là, tout va bien. Allez, suivant, je vais regarder l'étape. Je suis en train de, donc, comme je disais, je suis en train de regarder donc le tuto de Macho Nacho qui me guide un peu dans les étapes. J'enlève. Lui aussi, il y a un petit bout qui est resté. Il a fait comme moi, il a gratté. Vous voyez, petit processeur ATI. C'est le processeur IBM. Qui s'appelle Flipper, hein, parce que c'était la Dolphine. Bah oui, il n'y a pas de soucis, t'inquiète, on s'appelle, on se fait un petit coucou. On s'en comptait pas les nouvelles. Qui nettoie les prosses. Ok, les soudures se font là. Ok, les soudures, elles vont se faire... elles vont se faire là. Et là.
C'est pas gros, mais bon, c'est j'ai vu, c'est, enfin, j'ai vu pire. Alors, je crois qu'il y en a un graphique. Donc, pic au boot, installation diagramme. Alors, attends, je vais me le voir aussi. Pic au boot, installation diagramme. DOL 001. Ok, bah ça vient de Dragon City, c'est assez rigolo. Ok. C'est parfait, j'ai une image. Donc en effet, donc c'est ce chipset là. Et cette partie là. Il y a deux là, et un pontage à faire ici. Pression. Under pressure. Alors, on va préparer le matos. Alors, on a donc. J'ai préparé un peu en avance. On a donc le Raspberry Pico. Il est ici. Donc, c'est ça. Alors, j'ai fait offline. Je l'ai préparé un peu. Aucune musique. Ah, est-ce que j'ai cliqué? Je l'ai préloadé. Offline, en fait, tu vas sur le truc du Pico, tu l'installes, tu le branches en USB, tu le charges, ça se fait comme une clé USB, tu charges ton logiciel, pardon, et après on va pouvoir le souder. Bah merci, bon apéro. Donc le Pico Boot qui va se mettre là, donc le petit Pico, on a. On a ça qui va se foutre sous la GameCube. On va voir ça après. Charger la carte SD. On a bien sûr la carte SD. Et on a les parties de rechange. Merci, à plus tard. Merci de passer en tout cas. Fais un bisou, Aurore. On a les petits remplacements pour les pour la pâte thermique. Remplacement pour la pâte thermique. Je crois qu'il y en a un peu plus. Voir. Tac, le petit truc, on va éclipser le Pico comme ça. Ça, il va être proprement posé. Un petit truc imprimé en 3D. Ça se met là. Tac. Salut Jika, comment ça va? Tu vois, comme tu l'avais demandé, on fait du mode en live. Et les fils à souder sur le Pico. Ça va, comme je dis, un peu la pression là de faire ce mode là, mais je suis pas Joel Bricolo non plus, mais bah, ça va le faire. Mon Dieu, ça va me gêner. Taille des trucs, ça sera un peu gros. On va peut-être changer la buse pour mettre une buse plus petite. Non, je suis à la bourre avec l'anniversaire et tout. Je suis un peu à la ramasse. Attends, je vais rajouter ça. On est bien sûr 001, pas de soucis. Il met du flux. Préétame la troisième patte. Alors, attends, on va mettre une buse un peu plus petite. On disait une buse plus petite. Non, il faut que je me rattrape. J'essaie vraiment de me rattraper. Et merde, je vais tomber, excusez-moi. Ok, il est pas branché. Il a pas raté.
Ah, j'ai rien loupé. Bon, bah écoute, tant mieux. Alors, cette puce là, on va la garder. Comme la puce de base. Ils ont fait quoi? Un truc spécialisé sur le verre? Pour son verre, je. J'en ai que faire. Mais j'ai rien contre, hein, c'est juste que j'ai pas encore 600 balles à foutre. J'ai déjà foutu 600 balles dans la Play, la PS5. Encore 600 balles à foutre. Non, le VR. Ok, alors. Ah ouais, même pas. Oh, putain. Bon, bah, vite fait regarder. Alors il met du flux et il préétame la troisième patte. La file bleue. Alors, je suis désolé, hein, c'est petit pour vous. Une nouveauté. Peut-être plus par là, mais vous avez ce qui va vous gêner. Alors, on va sortir. Fil. Alors, chauffer le fer. Oh, ombré quand même. Ah ouais, ouais, ok. Le flux. Alors j'ai jamais utilisé de flux. Hein. Ok, on va pousser ça. Ok. Alors. Donc il faut qu'on étame. Alors. Je vais mettre comme ça. Dans le bon sens. Putain, c'est petit. Mes yeux. Mes petits yeux. Alors, on va mettre la lumière. Salut Calmandris, comment ça va? Alors. Encore chaud. On va essayer de chauffer ça. C'est l'installation d'un Pico dans la GameCube pour lire les cartes SD. Ouf, d'après cher, hein. L'image. Donc, la troisième et la deuxième. Alors, prix une vingtaine d'euros. Ouais, une trentaine d'euros. Le Pico doit faire 12 balles. Carte SD, bon, ça dépend de ta carte SD.
Il te faut un peu de câble, truc comme ça. Bon, la GameCube. Difficile, ben on va voir. Non, ça reste relativement abordable. Il y a 5 soudures à faire. Non, c'était hier mon anniversaire, ouais. Donc normalement ça devrait être relativement abordable niveau difficulté. C'est j'ai pas forcément l'habitude, donc j'ai un peu peur quoi. Mais il y a voilà, il y a 5 soudures à faire sur la GameCube, pareil à faire sur le Pico, et puis c'est bon quoi. Donc et puis c'est open source vu que c'est du Pico, donc c'est pas mal quoi, pas mal du tout. Je vais tout montrer vite fait. Si je montre ça, navigateur, voilà, il y a ça à faire comme soudure, donc ça reste relativement abordable. Non, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout. Non, mais écoute, après, il faut bien se lancer un jour. Hein. Rencontre pécho. Voilà. Il fait 350 ou 400 de... Un ça se voit tant que ça que je suis pas à l'aise. Je pensais que mon assurance naturelle aurait couvert ça. Mais c'est petit quand même. Sur micro switch, je compte. Ça va pas tarder. Comme je dis, il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Alors, ça, je vais prendre ça, je vais l'enregistrer. J'ai du fil très fin. J'ai du fil très fin. J'ai du flux. J'ai de l'étain qui est un peu moins fin, mais ça devrait le faire. J'ai pas le chat pour m'emmerder. Hop. Et puis là, je te l'envoie. Vidéo là. Ah, le boulot m'a fait clairement ma fête cette semaine. C'est fatigué. Allez, on va mettre un peu de flux. Alors, on a dit. Voilà. Les fonds.
Et Pyrex faire du pain, mais... Bien fait, tiens, on est plus chaud, on est déjà par le Et merde. Ouais. Ok. La troisième là et la deuxième là. On va du là aussi. Là, c'est sur la deuxième. Merde. Aïe, c'est chaud. Trop bavard, je suis désolé. À l'école, toi. Voilà.
À l'école. Je commence pas à faire un pont entre deux. C'est un pont. Voilà, ça. Bon. Alors, dis donc. Et reste collé. Merde. Putain. Faire un bridge. S'accrocher. Ah, ça va. Tout le monde, ça c'est alors si facile.
Allez. Pas. Non, j'ai pas de 360 du tout. Arrêtez de trembler. Ce que je trouve là. Je veux au moins juste lui faire accrocher et puis je remettrai de la soudure.
Ça vient pas. Oh putain, ça m'énerve. Ils sont dans les cours d'Ecton. C'est pourtant un des meilleurs soudeurs de mon cours de techno. Ah putain, ça tenait. Ok. Ok, là. Ouais, je vous montre de plus près. Focus là-dessus. Configure la vidéo, j'enlève. Ah, c'est fou. Attends, on va essayer de faire une mise au point. Hop, on va changer la mise au point. Ok. Donc, Eda. On va mettre le jaune.
Ok, deuxième, c'est plus facile. Ok. Alors. Contact, ça devrait être bon. Alors, il met le deuxième. Ah, mes plus belles soudures. Donc ça marche. Donc il faut bridger celui-là et celui-là. Maintenant. Ouais. Donc on va en mettre un peu d'étain sur ces deux-là. Allez. Hop. Je vais pâter. Pâter. C'est quoi cette teinte de merde qui font pas là? Parce que maintenant, il faut que je bridge les deux, donc si je les bridge vraiment par accident, c'est pas grave. J'ai acté exprès.
comme là par exemple. Bah c'est faisable, oui c'est faisable, faut voir au niveau de la transparence, c'est ce qui me pose souci au niveau des gifs, puis. Tu vas faire. Ça c'est la masse. En fil noir, je vais faire la masse. Passer à la maison des professionnels, pas du tout. La buse qui est trop petite, c'est chiant ou pas, je sais pas. J'aurais pas dû prendre une buse aussi petite.
3 heures pour chaque fil. On va arriver. J'ai mis du non, ça chauffe pas, je sais pas, je... J'ai mis du flux. Après j'ai une petite touche hein. Ça. Ouais, sauf que j'ai...
Je tremblais pas aussi. On a un Michael J. Fox, sérieusement. Putain. Pardon. Plus que deux. Plus que deux, plus que deux. Tiens, à quoi le pas? Une troisième main. C'est faire un truc.
Putain, j'arrive pas. Je n'y arrive pas. Je tremble. Ça va pas tenir.
bien ça, le combat de boss, ouais. Putain de merde. Pardon. Tiens pas, ça colle, adhère pas. Tu te diras ce putain de patte. Ok, je crois que je l'ai. Oh, pas touché à côté. La mer. Ta mère là. L'autre qui s'est décroché. C'est pas super simple, hein. Enfin, Zurich. Qu'est-ce que tu as, le chat? Non. J'ai pas de main supplémentaire si je fais, si j'utilise ça.
Je place. C'est exactement là où je veux. Là, je scotch. Salut, et bah écoute, j'essaye de modder ma GameCube. Et c'est pas des plus simples parce que c'est tout petit. Et que ça collabore pas très bien. Comment tu vas, passer Yves? Chat qui me harcèle à la porte. Allez, me fous-moi la paix. J'ai connu des soudures beaucoup plus collaboratives. La con de tes morts. Allez, adhère. Oh putain, le chat. Oh putain. Allez, arrête. Méga concentré. Je suis surtout centré. Écoute, ça va et toi? Vécu de mon anniversaire. C'est l'heure de venir. Ok, c'est l'heure de tenir. Ouh. A plus tard, papy. Ça va et toi? Ça va et toi? Écoute, on bricole. On bricole. On va le faire. On bricole. Alors, on disait donc. J'ai fait mon pont là. On pourrait le scotch ici. J'ai fait mon pont. J'ai fait mon pont là. Et il me dégoûte, le mec est en train de faire des vidéos, elles sont tellement belles ces vidéos, ces soudures par rapport aux miennes. Attends, excuse-moi, je vais virer le chat. Le harcèlement du chat, laisse-moi rentrer. Ah bon, Nicolas. Ça va bien, écoute, un week-end, on profite, à moins 15 dehors, donc on évitait de sortir. Là, il n'y a plus que deux fils.
Est-ce que j'ai du blanc là? Je crois de blanc. On va utiliser le vert. Le vert là, alors il le fout là. Je vais mettre un petit peu d'étain sur la gueule. Ça va aider à adhérer un peu. Ouais, ça caille. Franchement, les moins 25 ressentis avec le vent, c'est pas ouf. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, je suis pas venu ici pour les côtiers. Hein. Mais toi, qu'est-ce que tu racontes de beau? Je m'adapte pas trop mal. J'ai un quartier qui est plutôt sympa à vivre. On a la bagnole, on part en vacances dans 10 jours. Là, on va se faire un petit tour aux États-Unis pour visiter Chicago. Ça nous fait, bon, ça fait une petite trotte, ça nous fait 11 heures de bagnole. Ça va faire un petit road trip. Tu voudrais bien fondre, monsieur l'étain. Pourquoi tu fonds quand t'es là et que tu fonds pas quand t'es sur... Ok, on a dit qu'on accrochait le verre. Objectif de voyage pour toi? Ah bah écoute, une bonne nouvelle. Les USA ou le Canada? C'est un medley de l'enfer sur Sega, ça?
Moi, je peux le foutre là, je crains rien. Je pense que pour être soudeur, il nous faut vraiment trois mains. Mais je pense qu'il manque une main. La merde. Qu'il y a des repas, ça me... Ça me rend dingue. Concentrer ça. Alors, on va y arriver, hein. Définitivement pas le tuto le plus facile que j'ai fait. Accroché, oui. Quel je suis à Montréal, je suis sur Montréal. Quel est Giga, c'était là. C'est quoi la température idéale pour la soudure? Là, je suis à 350. Est-ce que je suis pas trop bas? Est-ce que...
Alors, ok. Où ça m'endrigue hein. Ouf que j'arrive pas à faire ce putain de soudure. Ce truc de merde qui recule là. Eh ben dis donc. On a pris 12 milliards de fois. Alors, on va faire. On va remettre le scotch.
pas trop mal technique. Et on va pas s'appuyer, mais... Hey! Salut Juna, comment ça va? Merci pour la reine. Viens me regarder galérer comme un... comme un noob. Alors. Alors. Ça veut pas. Ça va et toi? Ça ira mieux quand j'aurai réussi à faire ce putain de souillard. Je suis en admiration via... Combien ta carrière a grillé? Je l'ai pas là. Fatigué. Fin de semaine, ça y est, ou tu bosses ce week-end? Pas des GameCube plus grosses. Ah d'accord, ouais. Ouais, à peu près comme ça, ouais. C'est encore demain, oui. Dur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. On va faire souder, on va changer la buse, on va tester avec une autre buse, qui est la buse de base. La buse pour jusqu'à présent, c'est moi. Le phare passé, faire souder. Et on va essayer de faire marcher cette satanée GameCube. Ok.
très grave. En tout cas, c'est gentil pour ce petit raid. C'est chaud. Encore attendre un peu. Je m'achète des manilles pour le faire souder. Et il me restera donc celui-là à ressouder. Deux autres là. Et après, on n'aura plus qu'à faire les soudures sur GPIO, qui, je pense, devrait être plus facile parce qu'on va les faire par les trous là. À l'ancienne, comme à l'école. Ça devrait être plus facile. Très chaud. Bon, pas être pressé. Bon, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Oula, qu'est-ce que c'est? Le boîtier qui est fort. Qu'est-ce que t'as fait de beau ces derniers temps? J'étais un peu occupé ces derniers jours. J'ai pas. Enfin, là, j'ai une semaine de dingue. Alors, la semaine prochaine va être encore plus folle. J'ai Nicolas qui me gêne. Ah, regarde ce magnifique coussin. Ah, c'est vrai qu'il y a le concert Dragon Ball, tout à fait, j'avais oublié. Ça, peut-être que ça fuit. C'était où, Statouze? Putain, il en fallait pas vite, con. Oh cool, Dragon Ball, Dragon Z là, il faisait Shala et Chala. C'est beau ça, je l'avais vu au Cartoonist à l'époque, je crois. C'est trop bien quoi. Ah non, Dragon Ball, ok. Moi j'avais vu le chanteur de Dragon Ball Z. Meilleur chanteur de Dragon Ball, c'est Ryan. Normalement, une fois que j'ai fini ça. Les soudures sur le GPIO, on devrait être pas trop mal. Ah si, c'est chouette ça. Je vais remettre un peu d'eau là-dessus. Ouais, pour deux secondes. Pourtant c'était pas émotif, mais ouais, mais tu dis, moi quand j'ai vu les génériques de DBZ et tout en live, enfin tu sais, t'as, je suis pas émotif. Ah si, je suis émotif. Mais oui, je peux comprendre que, enfin tu sais, c'est tout ton enfance et tout qui rejaillit d'un coup. Allez, refroidis Kiki. Refroidis.
Ah, ça doit rester. Voilà. Allez. Qui est la buse d'origine. Chaud. Allez, c'est reparti pour une petite chauffe. Je suis assez bon. Dit le violet qu'il faut ressouder. Alors on va essayer d'attendre, on va remettre un petit coup de scotch. Et Jimmy, sers-moi un scotch. Hop. Donc vous pouvez le voir, la soudure n'est pas clairement pas mon plus gros atout. Ça, ça devrait tenir. Alors. C'est assez chaud. C'est assez chaud. On y chauffe vite, hein. Ok. Je pense que j'ai pas la bonne buse en fait. Alors, reprenons depuis le début. Ça, là, enfin, ça lâche les pinces et pieds quand même une bonne aide.
Ok. C'est bon. Il me reste un. Celui-là. Allez, pareil, on va mettre un peu. Ok. Donc celui-là. C'est un bridge, ça. Ok. Ensuite, j'ai mes fils. Non, on va souder tout ça sur le jeu, sur le pas le GPU, mais sur le. Alors, on va tout rassembler. Alors, un petit peu, on va mettre un fil, comment ça s'appelle, qui se contracte de façon thermique, j'ai oublié le noir. Choper le fil. Ok. Et le vert. Pas trop mal comme ça.
touche. Ok. Maintenant, on va... Alors, attends. Niveau là. Allez, on va... Toi. Allez. Ok, bah merci, merci beaucoup, merci d'être passé en tout cas. Plaisir de te voir. Alors. Maintenant, fil rouge sur le bouton rouge, fil bleu sur le bouton bleu. Un peu. Ok. Là, ça explose. Ouais. J'aurais dû le laisser jusqu'à la test. Tac, les deux petits. Il est plus épais celui-là. Alors.
C'est ça. Hop. Alors, on va enlever. On va mettre un petit bout de scotch pour isoler. Alors. Ok, hop. Alors lui, mais le, est-ce qu'il le met maintenant, le raspberry? Ouais, il a confiance quand même. Hein. D'abord qu'on va vérifier que tout fonctionne avant de tout remonter. Quand même remettre le radiateur. Voilà. Alors. Allez, on va souder ça au radiateur. Il est soudé en surface, moi je vais pas souder en surface. Hein. Alors on disait donc, on a tout ça. Je comprends parce que t'as vu, t'es quand même des trucs qui sont pas facilement accessibles là, donc c'est pour ça qu'on a enlevé on a tout enlevé. Alors, maintenant un bouton bleu sur le bouton vert sur le bouton vert, fil rouge sur le fil rouge. Alors. Alors, on peut étamer le fil comme j'ai fait tout à l'heure. Alors. USB comme ça, donc le violet c'est GP4. Alors GP4. Alors. Là, on est vraiment on retourne dans les cours de techno. Beaucoup mieux déjà. Alors le violet c'est GP4. Ensuite GP le jaune comme ça et GP6 et 7. Alors GP6 et 7.
qu'il y a un petit pont à faire. Alors, attends, je vais prendre mon outil. Ah. On va dénivier un petit peu plus. Ok, ancien, hein. Oh, ça marche mieux. Alors, on a 10 GP6 et 7. Ok. J'ai 6 et 7. Ok, j'ai PC 6 à 7. J'ai un peu plus sympa comme soudure ça. Attends, je vais faire le point. Hop. Ah. Alors, j'ai PC 6 à 7, on a dit. Le grand, le vert et le rouge. Le grand, il va sur grand. Donc le grand, c'est le noir. Grand, il va de l'autre côté du GP6 et 7. Il va là. Au-dessus du GP18, c'est ça, hein. Ouais, grand, GP17, ok. Grande. Alors GP5, alors c'est le vert GP5. GP5. Okay.
Et j'ai fait 5. Ça va un peu moche. Ok, j'ai fait 5 et le 3 volt 3 3v3 j'ai fait 5, c'était le vert, le 3 volt 3 c'est le rouge. En 3v3 ça va au dessus du ground, il va là. Et alors. Et merde. Voilà, 3 vol 3. Ok. Normalement, on a fini avec la soudure. Ah, j'aime pas du tout comment il fait ses soudures, je préfère les miennes. Le mec c'est un expert, il se permet de faire des soudures sans sans foutre dans les trous. Moi je mets dans les trous, c'est sexy mais... Voilà, puis mets là. On verra plus tard. Il referme tout. La confiance. Alors, il faut que j'installe Suisse sur la carte SD. Je vais mettre un peu de son. On devrait prendre le son du bureau, c'est bon. Donc maintenant, on va lui mettre... aux fesses, ça. Alors. D'où ? Alors, ta-ta-ta. This side face the inside, this side face the outside. Mais ça. Okay. Alors du coup. Ok. Mais ça. Voilà. C'est cool ça. Ah merde, attends, j'ai le truc devant. On met ça, ça va permettre de mettre la carte SD. On va d'abord, on va lui remettre le, au besoin, on va lui remettre le port manette. Et on va lui mettre l'alimentation. Et alors d'abord, on va lui mettre Suisse. Là, il nous faut une carte SD qui se trouve là. Il faut que j'ouvre la carte SD qui est là. J'ai une prise de 256 Go.
Il me faut un cutter. On a plus tard. Ok. Avec une 250 gigas, ça devrait suffire pour le début. Ok, alors. Maintenant, il faut installer les Suisses. On va mettre ça dans le port USB. Et ça. Il faut la mettre en FAT. Oh, utilise GUI formateur. GUI formateur. On va télécharger ça vite fait. Blablabla. Download. Alors. Ok, j'ai le formateur, je l'installe. Ok, donc là, alors on le met. On va regarder. Tac. Format, ok, on va pas faire de conneries, c'était bien H. Et H, ok. Ah, parce qu'il est ouvert. Comment ça, il est ouvert, il est utilisé par un autre... Ok. Alors, donc maintenant, ce PC, je vais avoir un H. Ok. Alors, maintenant, on va installer Suisse. Ok, alors. Suisse, donc nous c'est R1367, ok, c'est un 7 file. Donc on télécharge Suisse. On devrait pouvoir enlever ça. Non, on enlève ça. Alors. Alors, attends.
aller dans cet autre top. Peut-être un nouveau dossier. Frère. Ah oui, l'extrait directement vers la carte. Ok. Extraire vert. Attends, comment il fait? J'aurais dû faire, je veux vraiment suivre l'île. Vraiment, vraiment faire pareil. Extract file, ok. Tac. Extraire les fichiers. Et ok, et il fait ça et il le met vers H. Ok. D'accord. Maintenant donc dans H, j'ai mon Suisse, ok. Maintenant, il faut que j'ouvre le DOL. Attends, j'ai vérifié un tuto qui ne m'est pas mis dans un sous-dossier, sous-dossier. Ah, bah, alors je fasse une pause pipi. Ok, il y a bien. Donc, il y a bien deux CA, donc DOL. Ok. Ah, faut le couper. Ok. Et il faut le mettre à la base de l'SD card. Ça va pas. Alors. Ok. Ok, maintenant il faut le renommer IPL. Ok. Ok, maintenant on va mettre des jeux. Alors, est-ce que j'ai des jeux qui ont fini de télécharger? En effet. Alors, bah, TGF0 et GX. Faut que je le mette juste comme ça ou faut que je le mette dans le dossier? On va essayer. Alors, vous juste foutrez à zéro. Télécharger. Alors, on va préparer une câble. Et... Attention.
Bird. Alors, j'ai la pression, les gars. J'ai la méga pression. Ok, extract. Ok. Dedans. Ouais. Bon. Les enfants, on se lance. Allez, au moins le tambour. S'allume. Alors. Parcours de Suisse. Le Raspberry et faire le picot alimenté. On va essayer ce que je vais lancer un jeu. Faut que je remette le CD. En tout cas, il est alimenté. Je vais rebrancher ça. Bon, truc qui fonctionne pas. Mmh.
Est-ce qu'il faut que... Pourquoi il démarre pas Suisse? Bon, déjà j'ai pas flingué la GameCube, c'est pas trop mal. Alors on va regarder un autre tuto. Alors, pique au bout. Douze minutes, ça devrait le faire. Il installe son truc avec carte SD, ça je l'avais fait. Est-ce qu'il met un CD? Pas CD alors. Putain, il fait ça tout en noir là, ça m'a fou. Ouais, il met large dedans. Il remonte. Fou, vas-y, ferme-la. Ferme-la la GameCube, hein. Ah lui, on remet même pas le lecteur CD, donc... Donc il y a un truc que j'ai pas dû faire correctement. Bon, déjà, on va regarder la carte SD. Je sais pas si c'est caractère sensible ou pas. Et même s'il n'y a pas de jeu, il devrait reconnaître la carte SD. Il lui met en minuscule. Ouais, il met en minuscule. Il le coupe. Il met la racine. Ok, on va essayer. Je peux regarder les foutus en majuscule, peut-être que c'est ça qui se lance pas. H. Alors. Non, il veut pas.
Alors, bah écoutez, je pense qu'on va couper là, que je vais continuer à chercher pourquoi il ne veut pas balancer mon truc. En tout cas, le picot est alimenté. Je vais essayer de réinstaller sur le picot et puis on va voir. Donc, du coup, nous, on va se couper là. On va s'arrêter là. On va passer sur la cam. Je vais finir de chercher pourquoi ça déconne. Ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment quand même. C'était cool de vous voir cet après-midi. Je vais continuer à fouiller un peu pourquoi ça fonctionne pas. Et puis, je vous fais des gros bisous. Voilà, on va faire un petit raid chez un copain là. Qui c'est qui est en live? Attends, on va ouvrir Twitch. T'es papy, t'es en live. On va arrêter chez pas. Non, mais t'es avec Clément Brice aussi. On va aller chez Clément Brice. Allez, je fais des gros bisous. On va lancer le raid chez Clément Brice. Allez hop. Ah, qu'est-ce que vous êtes venu ? Je t'ai pas vu en ligne, Clément Brice ? Qu'est-ce que tu me racontes de là ? Mais il plombe. Bah si. Alors. Ah ok, faut que je t'appuie dans l'ancien. Allez, on va lancer le raid, je fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Et amusez-vous bien. Ciao les copains, allez j'en suis générique, des bisous, ciao ciao. Salut, bon voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer que ça fonctionne, c'était juste une petite soudure qui déconnait, donc j'ai tout dessoudé, j'ai vérifié mes fils et j'ai ressoudé. Petite custom pour le logo et puis il n'y a plus qu'à jouer. En tout cas merci beaucoup pour votre soutien et puis à la prochaine pour le prochain live. Allez, bisous les copains, bye bye.